Et yop là, bonsoir à tous, bienvenue à ce cinquième épisode de Power Up, donc l'émission consacrée à Trackmania. Et au programme ce soir, donc on va découvrir le title pack TM1. Hey, salut Poppy Stardust, ça fait un bail. Ah, mais c'est cool, hein. Ça fait plaisir, comment vas-tu? Il est où? Qu'est-ce que je cherche? Ça. Ok. Ouais. Donc du coup, je disais, on va découvrir le title pack TM1 Alpine. Donc c'est un projet en fait qui a été mis en place depuis quelques temps. En fait, le but c'est de ramener les anciens environnements dans Trackmania 2, les reconstituer en fait. Donc pour l'instant, il y a deux gros projets. Hein. Donc il y a Alpine qui est ici. Yo Gazou. Et il y a également Speed qui est par là. Voilà. Donc là ce soir on va jouer à Alpine. On fera peut-être les deux, on verra, suivant comment ça avance. L'idée c'est de faire la campagne en fait tout simplement. Tiens mon Gazou, je sais pas si t'as vu sur Facebook, c'est bon pour toi samedi soir pour la session GDR? C'est du coup a priori la blonde était là, Carlito était là aussi. Je sens une tête de fion grâce à mon opération de la mâchoire. Ah. Elle s'est bien passée, ouais, ça a été. Y'a pas de soucis, bon bah nickel. Ouais bah du coup comme ça on continuera la campagne Deadland, il y aura pas la coquette mais tant pis. Vous jouerez sans et puis au moins lui il sera pas mort quoi. De la musique. Donc voilà, donc là une belle introduction à... Hop là, voilà. Donc, à savoir que le title pack là, il va continuer encore à grossir. Ils ont plein de choses qu'ils veulent encore ajouter. Mais pour l'instant, il y a déjà la campagne, donc moi ça me va très bien. Donc voilà, donc il y a Stan qui veulent ajouter, il y a la plateforme qui veulent ajouter. Mais, on va partir sur la campagne normale. Alors tout à l'heure, ça a mis vraiment longtemps à charger, donc bah, comme ça, bon, je pourrais discuter pour l'instant là. Valet des compléments alimentaires au goût des gaz tous les soirs, une joie. Ah ouais, bah ça. T'as ça, c'est vrai que le problème quand t'as la mâchoire. Quand j'étais gamin, je m'étais pété la mandibule. La mandibule, c'est là ce que t'as juste ici en fait qui relie. En gros, qui relie ta mâchoire. Et j'étais petit. Hein. Et pourtant, je me rappelle encore. Bah, que du coup, j'étais obligé de bouffer de la soupe tout le temps. J'étais à l'hôpital enfant, c'était horrible quoi. C'est les trucs qui marquent. Allez, go! Sais pas s'il faut que je rebanne les touches ou pas. Oh, voilà. Alors, du coup, le but c'est de jouer contre la médaille. On va essayer de faire full médaille d'or, hein, si possible. Je suis pas allé voir s'il y a les skins et tout quoi. C'est une soirée jeu le 12 novembre. Alors le 12 novembre du coup, bah, la semaine prochaine pour mon anniv, je sais pas encore trop ce que j'allais faire. Et en fait finalement je me suis décidé tout à l'heure, je vais faire une soirée Diablo 2 avec le mode Medium XL. Qui est en mode qui modifie plein de trucs sur le jeu, hein, bon, c'est clairement un nouveau jeu. Et du coup, voilà. Et je me dis que ce sera très bien, quoi. Coupe un anniv. Et ouais. Donc voilà, donc finalement, j'ai réfléchi pendant longtemps, parce qu'en fait, à la base, chaque année, en fait, quand j'ai mon anniv, j'essaie de faire un truc en stream qui me fait plaisir. Genre, bah, soit un vieux jeu que j'ai bien aimé, les trucs comme ça, quoi. Parce que je disais, j'ai déjà fait une soirée, c'était une soirée jeu Amiga, j'ai fait Settlers 2, j'ai voilà, des vieux jeux comme ça qui me plaisent vraiment beaucoup. Et là, pour cette année, à la base, je vais jouer au premier Trackmania, et puis finalement, j'ai craqué avant, j'y ai joué. Et du coup, je savais pas trop. Et c'est aujourd'hui, je me suis dit, mais attends, faut que j'en joue à. J'ai envie de jouer à Diablo, mais j'ai pas envie de jouer à Diablo 2 normal, en fait, parce que j'ai déjà énormément joué, et voilà.
Et je me suis dit, mais au fait, il y a le mode Media XL qui paraît qui est excellent, qui a eu une grosse mise à jour récemment. Donc je me suis dit, bah, au moins comme ça, ce sera le cas de tester, quoi. Donc il y a déjà Furious qui a joué avec moi. Après, s'il y a d'autres gens qui sont motivés, hein, n'hésitez pas. Il faut juste Diablo 2 et après télécharger en mode. Je pense pas qu'il y ait besoin d'autre chose. J'irai me renseigner un peu plus demain, je mettrai peut-être un petit post sur le site pour en parler. Oh non! Ok, c'est bon. T'es de concert le 12? Ah ouais? Tu m'y donnes Excel pour une seule soirée? Ouais, bah une grosse soirée, quoi. Après, voilà, de faire une soirée dessus, c'est l'histoire de. Surtout l'histoire de faire une soirée en multi, quoi. Se faire plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais j'ai cliqué plusieurs fois. Bah, toi, du coup, si j'arrive à lancer vers 21h. Fera toujours là. Si on fait du 21h minuit ou 21h 1h du mat, on fait déjà 3-4 heures dessus, ça peut être cool. Après voilà, j'allais dire si c'est cool, mais évidemment ce sera cool, hein. Ce sera toujours le cas d'y rejouer plus tard, quoi. Après c'est plus une soirée histoire de jouer ensemble, discuter, jouer en multi, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Va falloir que je m'y fasse à la physique, hein, parce que c'est vrai que le véhicule est vraiment hyper réactif, quoi. Il faut une pas soirée, et là, début, c'est toujours le plus chiant. Oui, en multi, ouais, pas tout seul. Ouais. Non, 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 ouais, pas en solo. Non, déjà en multi, donc il y a déjà Furious qui sera là. Et après, voilà ce que je disais, s'il y a d'autres gens qui sont intéressés, hein, il suffit juste d'avoir Diablo 2, hein, donc notamment toi, hein, si tu veux venir, ça sera évident avec plaisir. Hein. Donc voilà, si on peut faire un groupe, je sais pas, 4, 4 serait déjà pas mal. Après, j'ai peur que ce soit un peu, soit vite le bordel si on est trop nombreux, quoi, mais déjà 4 serait cool. Hein. Mince. Tu sais, quand Skywilly, il est plus motivé pour streamer. Enfin, il restreamera peut-être de temps en temps, mais il est plus motivé pour faire des vidéos YouTube, en fait. En ce moment, il en fait pas mal, des vidéos plutôt intéressantes, d'ailleurs, bien documentées à chaque fois. Ça lui convient plus comme format, en fait. Il préfère faire des vidéos YouTube que du stream, en fait. T'en sais compte, s'il a la fibre maintenant, mais... Mais il s'éclate plus en faisant ouais, des vidéos montées avec de la recherche derrière et, que de la présentation pure et dure, quoi. Là là. Les soirées de show, ouais. Après, si tu l'as jamais dit, hein, c'est un truc qu'il faut lui dire, hein, sinon il peut pas savoir. Et qui, du coup, au fur et à mesure, ça démotive un peu, quoi. Ça, c'est un truc hein, sur le net, hein, quand il y a des gens qui font les choses que vous aimez bien, n'hésitez pas à leur dire. Hein. Envoyer un petit message, ça prend 2 secondes, ça fait toujours super plaisir à la personne qui a passé du temps à créer un contenu. À collecter des infos. Ouais, c'est mes petits gâteaux, hein, comme d'hab.
Ah mince. Ça rappelle juste trop internet, c'est ça quoi. Non, on peut être gentil avec les gens sur internet. Hein. Et tu vas voir un concert de quoi, Gazou, un mardi soir hein. Merde. Ça sent le concert à Zimbert, ça. Fake news. Et hop. Ça passe. À ceux qui boivent de l'actimel en dessert. Ah bah ça. Après, techniquement, tu peux boire ce que tu veux. Bon, j'imagine que c'est effectivement hautement, hautement décommandé, mais. Ah merde, je crois que c'était la fin. Putain, j'ai fait me faire avoir. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas une touche pour aller à la... au niveau d'après, quoi. On est obligé de repasser par le menu. Sauf qu'à chaque fois, le menu il est un petit peu bugué, il met un peu de temps à se rafficher. Mais... La dernière vidéo de Skyuli là c'est sur les contenus saisonniers dans les jeux vidéo, bah, notamment là sur, sur Halloween. Putain mais c'est vraiment multi là en fait. Ils avaient fait l'interface et tout, me semblait. Ouais, mais du coup, après, je sais pas, c'est peut-être chez moi où ça merde un peu l'affichage, j'en sais rien. Mais effectivement, oui, ils ont fait un gros taf dessus pour améliorer le title pack, donc je sais pas. Après, ils sont encore en train de travailler dessus, donc. C'est chaud la médaille d'or là. Et après, par contre, ce que j'avais dit, c'est ils avaient annoncé qu'ils avaient fait une grosse mise à jour dans pas trop longtemps, quoi. Avec une nouvelle campagne, avec plein de choses. Après, comme je me suis dit, en même temps, une nouvelle campagne, si je fais déjà celle-là, ce serait déjà pas mal. Donc, j'aurai toujours l'occasion de streamer ça un autre jour, une autre fois, quoi. Après ce soir, je vais peut-être faire Alpine et Speed, on verra. Je vais peut-être pas faire non plus toute la soirée sur, sur un seul environnement. Enfin, si et seulement si j'arrive à avoir un médaille d'or, quoi. J'ai ma ping. Le fou furieux, quoi.
Mince. Ah, normalement, il faut pas prendre la. Faut essayer d'avoir le moins de. Moins d'à coups possible, quoi. Faut. C'est chaud, non? Bon, on parle pas, perso, je continue à fermer légendaire ce BL3 en dents. J'espère que Déco, ça a des années-lumière de. Mieux que le tracé même de la map. Ah, du coup, tu continues à farmer Borderlands 3, mon gazo, alors? Justement, sa vidéo là sur les contenus saisonniers d'Halloween, en gros il parle de 4 jeux, enfin il prend 4 jeux en exemple, et il y a Borderlands 3 dedans quoi. Il a pris Borderlands 3, Destiny 2, Overwatch et Fortnite. Merde, c'est con, j'avais un bon truc là et. Non. Qu'imperceptible pour l'instant, je m'attaque au deuxième, d'accord. Ah, de toute façon, les jeux de farm, hein, c'est le jeu où si t'as vraiment envie d'optimiser, t'as jamais fini quoi. D'ailleurs, faut j'attends de voir. Il y a la saison de Diablo 3 qui s'arrête là. Ils ont pas encore annoncé de date pour la prochaine. Ils vont sûrement annoncer demain ou après-demain d'après Tassin. Du coup, la nouvelle saison, il y a un nouveau set pour le moine, un nouveau set pour le croisé. Le buff a l'air rigolo aussi. Bon, du coup, ce coup-ci, je vais pas dire que j'y joue à fond parce que finalement, cette saison, j'y ai joué beaucoup moins que ce que je pensais. Pourtant, j'étais bien motivé, mais. Pas eu le temps. Ah merde! Eh, c'est super dur hein, la médaille d'or sur circuit. Non. Mais la prochaine saison, si elle commence, si elle commence la semaine prochaine par exemple, c'est mort pour moi parce que je serai pas là. Donc vu bien souvent, c'est souvent le premier jour que je joue plus. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de loot à titre boss, ouais. Mais d'ailleurs, ils ont parlé qu'ils allaient le changer, ça non? Je crois que c'est Dayzan qui en parlait il y a pas longtemps, qu'a priori, vu que les gens rigolaient sur les forums, ils allaient peut-être modifier ça. Hein. Ah! Oh, c'est nul ce qu'il vient de faire. Oh, dommage, c'était pas mal jusqu'à ce virage. Dommage. Dans Wardrobe, pour choper le gun QV avec les stats à 9, on peut s'accrocher. Ouais, voilà, ça va venir. Ouais. Ouais, ça, c'est que les gens, a priori, ils voulaient tous ça, quoi. Compliqué ça comme choix, je pense, en termes de game design, à dire comment tu répartis tes loots, si tu fais du world loot, enfin si tu fais des tables, si c'est pas évident ça, je pense, comme décision à prendre.
Vache, il est. Non, mais la médaille d'or, elle est grave vénère en fait. Elle est grave vénère. J'y ai resté une fois, et puis tant pis, sinon on continuera parce que. J'ai l'impression que c'est un peu le tracé où je vais pouvoir y passer la soirée là. Surtout que j'ai pas l'impression d'avoir fait trop de fautes là sur le coup d'avant. Alors après, il y a moyen d'optimiser chaque transition, chaque virage et tout quoi, mais. Pour une médaille d'or, wow. J'ai pas regardé, faudrait que je regarde le temps hauteur combien il est par rapport à la médaille d'or. Non! Bon bah j'avais de l'avance. Mais ça c'était avant de me taper le mur. Oui, mais surtout qu'en plus, oui, tout à fait. Borderlands en plus, ils ont toujours eu des. Voilà, t'as des boss qui peuvent te. Qui te dérobent tel ou tel truc quoi. Tu veux tel flingue, bah tu sais que c'est le boss là en telle difficulté et puis c'est parti quoi. C'est con pour le coup d'avant où j'avais un peu d'avance. Le coup d'avant, j'avais de l'avance. C'est si bien formulé. Et du coup, ça te tenterait, toi, Raz, de faire un coup de Média 1XL avec nous mardi prochain? Encore une fois, hein, c'est pour la soirée à Nive, hein, c'est histoire de marquer le coup. Plus histoire de passer à la soirée entre potes. Faut que je setup tout ça ce week-end. Enfin, j'aurai ça setup ce week-end. Enfin, je regarde aussi si mon. Si le GPS de la voiture il connaît. Il trouve la route jusque chez les parents de Furious. Bon, c'est pas. Allez, dernier essai. Ça n'empêche, comme j'ai hâte d'aller chez Taz la semaine prochaine. Enfin, j'ai hâte déjà de voir tout le monde. Après, pour les petites annonces de l'Exalcon, là, notamment la 4.0. Elle me fait chier à config tout le bousin. Bah, tu vois, tu me diras de toute façon. En tout cas, si tu veux être là, y a pas de soucis, t'auras une place. Mais si t'as pas envie de te faire chier, je comprends tout à fait, y a pas de soucis. Hein. Le chat, ouais, pas de problème. Non. Ah là là, c'est con, j'étais bien et j'ai tellement flippé sur un virage là que j'ai perdu tout le temps que j'avais en avance. En fait, j'ai flippé sur ce saut. J'ai l'impression que j'allais accrocher les trucs. Je suis obligé de prendre des risques là. Yes, j'ai eu! Ils sont sérieux, la médaille hauteur, elle a une seconde devant. Waouh. Vache. Ouais, c'est ok. D'accord, les mecs ils font 47 grenades, 47. Ok, 47. Mon dieu. J'ai fait 50-38 en transpirant. Il met quasiment 3 secondes.
Ah, 2,5, on va dire, on va être gentil avec moi, quoi. La vache. C'est... Ok. Faut aller voir le replay. Ouais, mais... Ça, je me dis, même en optimisant les virages, 2,5 secondes, quoi. Ah oui, attends. Ah bah celui-là, faut que je regarde comment on le prend, monsieur. Tu veux mettre le casque? Alors, je te l'envoie si tu veux. Bon. Tu l'envoies? Le peuple against? Je sais pas. Bon, bah, si je suis derrière les... on sera, on verra après. Hop là. Ah bah c'est déjà la fin, ok. Ouais, du coup, donc pour ceux qui n'ont pas vu, hein, j'ai modifié le planning parce que finalement je stream pas samedi soir. Parce que justement on fait GTR à la maison. Et ça c'est super cool. C'est vrai qu'à cause du pick-up, il avance pas. C'est un problème de voiture. Et donc du coup, comme finalement on fait, c'est à la base on devait peut-être faire JDR, mais plutôt dimanche soir. Et en fait, je me suis rendu compte en regardant les réponses de tout le monde que bah, samedi soir il y a une personne de plus que le dimanche. Donc voilà. Du coup, la soirée de Tassa, on va l'appeler. Je l'ai avancé au samedi. Bon, la soirée de Tassa, on va jouer à plein de jeux qui m'avait offert pour Noël. C'était l'année dernière, je crois. Ce jeu bien qui était vexé que j'y ai pas encore joué. Du coup, ça va être plein de jeux, mais le pire, c'est que ça va être que des jeux où je vais queener, je pense, hein, parce que il y en a beaucoup, c'est marqué genre hardcore, platformer, machin, genre The Impossible Game, Prompt, voilà. Bah, des jeux de Tassa, quoi. Le truc, tu sens que c'est un cadeau, mais tu sens que c'est un cadeau à moitié, quoi. Faut absolument aussi que je joue, absolument aussi que je joue. Au beat'em up de Gramoul qui avait l'air bien cool en plus. Oula. Ah, c'est marrant ça qu'ils ont. Putain, ça existait pas ça dans l'original d'avoir des espèces de ba des bateaux comme ça. Après tout le reste, ils ont gardé un peu pareil, hein, donc on a gardé les. Ah, ok. Les pistes en bois, les types un peu asiatiques, etc. Là, les grillages. Mais. Ah, c'est raté. Ah non. Oh là. C'est vrai que je vais me faire passer. Hein. C'est privilégié. Ah, il me file plein de pognon, je suis obligé, quoi. Ah, bah après, de toute façon. Il y a les ice aussi qu'il faut que je fasse absolument. Si j'en ai deux finalement, donc. Faut que je les teste quand même un jour. Hein. C'est le pire, c'est que j'ai vraiment envie de les essayer, quoi. Enfin, il y a plein de jeux en fait qu'il faut que je. C'est comme d'avant, de toute façon. Et je déteste la nouvelle interface Steam, c'est horrible. Non seulement je la déteste, et en plus je trouve qu'elle bug pas mal chez moi, ça galère. La terre, il a fallu que je lance les Steam 3 fois pour que ça marche bien. Ouais, tout à l'heure ça. Bah, ouais, je l'ai mis une première fois, ça voulait pas afficher, ça. Ça mettait le petit curseur, le petit rond qui tourne. Ces problèmes ne répond pas, blablabla. Et du coup, je crois que j'ai dû le lancer 3 fois, il me semble, pour que enfin j'ai tout qui soit affiché correctement, que ce soit pas en loading.
Et ce qui me gave, c'est que j'avais tout bien classé mes jeux, et là c'est un peu la merde maintenant, la liste elle est un peu en vrac, enfin à moitié, c'est pas. Ça me plaît moins bien qu'avant. C'est en fait là je suis en train de chercher en ce moment, enfin c'est pas en ce moment, enfin bon, à venir. Hein. C'est bah pareil, je pense que je mettrai un petit passe aussi, c'est que je pense maintenant de plus en plus le samedi après-midi, en début d'après-midi, je streamais avec mes gamins. Parce que bah, voilà, avec le lapin crétin c'était cool. Lancement, je vais à Train 4, ils adorent ça. Donc lancement, en gros, je suis en train de réfléchir à tous les jeux en coop local que je possède, quoi. Et faut que je les trie pour, voilà, pour jouer avec eux, en fait. Donc si vous avez des idées de jeux qui vont bien avec les gamins en coop local, n'hésitez pas. Je suis preneur. Hein. Ah, mais je pense que je pourrais jouer à Unreal Heroes avec eux. Ouais, tiens, j'y pensais même pas, j'ai juste d'y penser à l'instant. Donc ce sera pas tous les samedis, mais ce sera de temps en temps le samedi. Enfin, je pense qu'eux, ils seraient chauds à le tournament. Non, voilà, on va éviter les jeux violents, quand même. Ah, voilà, vraiment, l'idée, c'est de trouver des jeux, ouais, des jeux jouables en coop. Si possible, bien mignons et pas. On charcute pas les gens à bloc. Parce que j'ai pensé y avoir Warhammer Chaosbane, mais c'est quand même plutôt cracra, quoi. Même si je joue un petit peu avec eux à Diablo 3 sur console et tout, c'est pas. J'aime autant qu'on essaie de rester sur des jeux plus chantiers quand même, quoi. Faut que je regarde ma liste en fait. C'est vrai que finalement, les jeux coop local, il n'y en a pas tant que ça en fait. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, il y en a quoi, mais. Aïe. Après c'est aussi parce que j'en ai pas pris tant que ça non plus. C'est vrai que là bien souvent je les esquive parce que jusqu'à présent j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment d'utilité quoi. Oh la vache, putain. Merde. Oh, dommage. Mais comment c'est qu'il a autant de vitesse fait, quand il arrive là? C'est fou ça. Elle fait quoi la médaille d'or? Elle fait une spéciale, de toute façon elle fait ça, elle se. Ah, elle va. Mais d'accord, elle fait gauche-droite. Ok, on va essayer. Hein. Donc après elle saute à gauche, après elle saute à droite, après elle re-saute à gauche. Mince. Il y a un truc que je vais regarder aussi. C'est qu'a priori il y avait des skins. ça serait où? Map editor, replay editor, non. Ah, il y a peut-être pas encore les skins alors. Profil.
Ouais. Mais après, je sais qu'ils en parlaient pour. Ça faisait partie justement des ajouts de la prochaine grosse mise à jour, quoi. Donc ça se trouve peut-être qu'ils ont pas encore mis justement l'éditeur de la PC, j'essaie de choisir son skin. Ah mais écoute, mais en vrai qu'en fait la caméra, j'avais pas fait gaffe, mais. Important même. Oh non! Ah dégoûté. Dégoûté, dégoûté. Donc là, j'étais mieux déjà. Mais ouais, du coup, je vais vraiment regarder ma liste de jeux et puis essayer de voir pour jouer avec eux, quoi. Enfin, de toute façon, là, on a Train 4 à finir déjà. Donc, là, on a déjà l'acte 3 à terminer, l'acte 4, 5 à faire. Donc, il y a déjà pour quelques sessions, quoi. Mais ouais, j'ai vraiment envie de jouer avec eux, en fait. Ça me fait vraiment plaisir maintenant, parce que, vu qu'ils sont grands, c'est plus intéressant, quoi. Bon, même si j'avoue que dernière session Train 4. Le moment où ils ont commencé à faire n'importe quoi avec la physique, c'était dur. Merde. Il y avait Alosia qui était là, qui était mort de rien. Qui a marqué un truc du genre le papa en PLS, ce qui était pas faux. Battlebug Theater, ouais, mais je crois qu'effectivement la campagne elle est K2. Il me semble qu'à 4 c'est juste le mode arène en fait. Après j'ai pensé à Castle Crasher aussi mais c'est moins rigolo quand même quoi. Puis enfin c'est pas que c'est moins rigolo mais. Puis j'ai déjà beaucoup joué à Castle Crasher donc ça me motive moins aussi. Oh merde. Oh là là. Et le pire c'est qu'en plus Battle Block Fiatter, j'ai même pas terminé. Je sais même plus à qui j'ai joué, on est joué à deux. C'était peut-être Vasquale. Putain, je sais plus, c'était quelqu'un de. C'était quelqu'un de GSS et je crois pas que c'était Crime, donc ça doit être. Ça me paraît bizarre, je crois pas que ce soit Vasquale. Les Rayman, moi je suis pas sûr d'en avoir en fait. Mais effectivement, ouais, les Rayman seraient complètement. Ce serait complètement dans l'esprit bah, Unreal Heroes, clairement c'est l'esprit Rayman. Et ça effectivement ça irait très bien. Mais je suis pas sûr de les avoir. Je vais peut-être avoir. Merde. Est-ce que j'aime pas ces pistes à la con comme ça? Crash Team Racing, bah, j'ai le Sonic qui est très cool. Mais le truc c'est ça, je suis sûr que le grand il aimerait bien, mais le petit pas sûr quoi. Oui, puis après voilà, il faut en plus un jeu où l'écran splitté quoi. Enfin. Ouais, Crash Team Racing, je crois pas qu'il soit sur PC. Mais par contre, t'as les Sonic All-Star, enfin, les Sonic, je sais plus comment ils s'appellent, là, Transform, machin, qui sont un peu l'équivalent et qui sont vraiment très bien, quoi. C'est nul.
Putain, vraiment que j'arrive à prendre les boss, mais c'est horrible en vrai. Regardez comment il prend les. Quelle trajectoire il prend le Melador, parce que. Donc là il saute à la gauche. C'est vers le milieu. C'est vers le milieu. Il fait quoi? Il fait tout droit. Ouais, toujours un peu droite et gauche quoi. Et au Furious! Faut me la voiture, exactement. Merde. Dommage, c'était pas mal, non? Et ouais, du coup, non. L'idée, voilà. C'est pas non plus de leur mettre une grosse addiction. Ils ont pas besoin de moi pour ça. Ceux qui jugent déjà pas mal, donc. Oui! Alors, et là, donc j'ai 0,52 d'avance, alors que bon, bah, j'ai pas vraiment mieux joué qu'avant. Hein. J'ai juste eu un peu de la moule sur les rebonds. Allez. J'ai pensé aussi à. Dans le genre, pour perdre 5000 heures, j'ai pensé à. Ah! Ah! J'avais pensé à. C'est terrible hein, quand ça fait ça. Et là, pourtant, on va pouvoir faire le tour, je pense, là, non? Non, c'est vraiment. Faut juste faire. Non, vas-y, on va faire le tour, c'est obligé. Un truc du genre comme ça, hop, voilà. J'ai l'impression qu'il y a Dungeon dans le nom, mais je suis pas sûr. Voilà, je l'indice en bas de votre écran. Il faut que j'aille voir le nom parce que là c'est pas possible. Enfin, faut que j'aille voir le nom, sauf qu'avec la nouvelle recherche moisie de Steam. Là. Donc il y a complètement pas Castle dedans. Ah non, j'ai dit Dungeon en plus, j'ai pas dit Castle. Y a pas Dungeon non plus. Alors attendez. Nanana, vos collections. Je crois que j'ai dû le mettre dans Hack and Slash. Non, mais j'ai pas cliqué. Alors, j'ai vu Victor Vran, je m'étais dit, tiens, ça se trouve, Victor Vran, il dort moins de jouer en coop local. Et il était pas mal pour la manette. Bon, pourquoi pas. Et du coup, le nom que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est. C'est pas là. Sérieusement, il n'y a pas. Mais j'ai mis où? Pas si tu cherches, mais ça a l'air bien. Merci. Je pense que c'est Ro. Alors, je l'ai vu, mais non. Merde.
Mais pourquoi je l'ai pas rangé dans un hack and slash alors que c'est du hack and slash quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'avais pensé à Broforce aussi, mais ça, je pense que c'est vraiment trop dur rapidement. Non, mais c'est terrible. Jamais. Aérosiège. La vache. C'est compliqué hein, quand même pour trouver des trucs. Hein. Mais tu sais, le jeu là sur l'ordinateur, ça là, dans l'ordinateur, le truc. Non, non, j'ai cherché aérosiège depuis tout à l'heure. Hein, voilà, c'est bon. C'est revenu. Et il me semble qu'il y a du multi local. Oula. Ah, mais du coup, le Altab il a pas aimé là. Là, ça galère tout ce qu'il peut là. Attendez. Ouais, c'est bon, ça revient. Ça fait 10 000 ans ce truc, ouais. Ah oui, mais en fait, t'as raté le début de la conversation. C'était pour ça que. Mais après, ça fait 10 000 ans, mais ils font des mises à jour très fréquentes en fait. Donc, encore maintenant, ils font souvent des ajouts de gameplay, de trucs. Voilà. Et en fait, ouais, du coup, ce que je disais, c'est que là, je pense que maintenant, les samedis début d'après-midi, je vais streamer avec mes gamins. Là, ça fait plusieurs samedis que je fais ça. Et bah, eux, ils adorent évidemment, quoi. Et puis moi, ça me fait plaisir de jouer avec eux à des jeux. Et du coup, en ce moment, je suis en train de réfléchir un peu aux jeux avec lesquels je peux jouer avec eux, quoi. Ouais, il est vieux, hein, il est vieux. Il est vieux, mais il fera encore souvent des mises à jour. Hein. Et ouais, du coup, là, je suis en train de réfléchir un peu aux jeux auxquels je pourrais jouer avec eux, à qui leur ferait plaisir, et qui me ferait plaisir également, quoi. Sachant que du coup, je cherche des jeux avec du multi en coop local, quoi. Et il me semble que celui-là, il y en a, quoi. Du coup, ça pourrait être rigolo. Même si celui-là aussi, il devient rapidement dur, mais. Aérosiège, ouais, c'est ça. C'est en fait Aérosiège, je crois qu'ils ont une version mobile. Et du coup, c'est pour ça qu'ils continuent à développer à fond, parce que bah, je pense qu'ils doivent mettre à jour les deux versions à chaque fois, quoi. Putain, mais il est arrivé vite, lui. Ouais, dommage. En fait, avec ton histoire de donjon, j'ai capté Dungeon Siege. Ah ouais. Ah oui, dans le Dungeon Siege, effectivement. Sachant qu'il y en a eu trois, ah oui. Le premier, Man Fall Flat. Mais tu sais que c'est ce genre de truc qu'il pourrait bien aimer, hein. Il y avait le. Tu sais, pas Beat Gang, là, je sais plus comment il s'appelle, là, un jeu pareil, une espèce de jeu à la con, un party game avec des persos colorés, là. Et c'est pour ça, il faut absolument que je joue à des jeux où bah, on peut jouer à trois, genre avec deux manettes et un clavier souris, par exemple. Et qu'il soit intéressant pour moi et pas trop dur pour eux, quoi.
Il est en event. Ouais, c'est vrai, j'ai vu en plus. J'ai vu, j'ai vu. D'ailleurs, j'étais assez surpris qu'il puisse faire du Rocket League, vu que Rocket League, ils étaient super relou avec ça. Mais bon, du coup, s'ils sont avec Xbox, je pense que c'est par ce biais-là qu'ils ont du pouvoir, quoi. Bon, j'espère que cette multilab sera moins relou que l'autre, hein, parce que... Ah, il y a du... D'accord, il y a des roues libres maintenant, très bien. Bon, bah, elle a l'air effectivement moins relou que l'autre. Bon, sauf que là, j'ai fait de la merde, donc je vais me faire dépasser, voilà. Ouais, donc, ouais, elle est moins relou, sauf si tu fais des erreurs, quoi. J'avais pensé à Neurovoider aussi, mais bon, c'est pareil, ça va être trop, enfin, ça va être trop difficile, quoi. Et sinon, le boss, t'es le deuxième boss, ça reste là, de Train 4, là, le boss avec la sorcière, son chaudron, machin. En fait, la dernière énigme où j'ai passé un quart d'heure, où finalement c'était un vieux ver qui avait filé l'énigme en arnaquant le jeu et tout, en vrai la solution était super simple, quoi. J'étais dingue quand je suis allé voir, quoi. Y'a pas Helmut, trop dur. Voilà, Helmut il arrive, il dit non, déconnez pas, je vais pas mon jeu. Bon, bah, j'ai fini les A là. Il y a un médaille d'or partout, c'est cool ça. T'es sur Train 4, le deuxième boss avec la sorcière où il fallait faire un rayon qui tombait dans le chaudron pour faire chauffer la potion et que ça explose. Et la dernière phase, il y avait quatre puzzles à la suite. Et le dernier puzzle, j'avais galéré, j'arrivais pas à trouver. Il y a un mec dans le chat qui était passé qui avait dit bah moi aussi j'ai galéré. Et il nous avait dit, bah tiens, moi j'ai fait comme ça, c'est un truc, une arnaque, et que le rayon pesait à moitié sur deux blocs, mais pas vraiment, machin. Et en fait, la solution était super simple. Mais vraiment. Parce que du coup, avec mon fils, bah, je me rappelais plus ce que j'avais fait. Donc je me suis dit, bah, on va aller voir la solution, j'ai pas envie d'y parler, j'ai pas envie d'y passer encore un quart d'heure. Et en fait, le seul truc, c'est qu'il fallait penser que le rayon orange, en fait, on pouvait le renvoyer. Donc en gros, il fallait mettre un bloc, le rayon. Deux miroirs, c'était fini quoi. Enfin, c'était bidon, vraiment. J'étais fou quand j'ai vu la solution. Je me suis dit, bah non, bah en fait, c'était pas la peine d'aller voir la solution, il y a moyen de trouver. Mais c'était juste qu'en fait, je voulais tellement que ça soit le dernier rayon qui passe dans le portail que j'ai pas pensé que le gros rayon, on pouvait le faire réfléchir plusieurs fois pour le renvoyer quoi. D'ailleurs, Helmut, j'ai pas encore fait jouer à Flo la nouvelle version de Scorchbringer pour voir jusqu'où il va. C'est quand il a testé la démo dans le bar, il avait trouvé ça cool mais dur. Ah, je me demande jusqu'où il arriverait à aller. Bon, clairement, je pense pas qu'il t'amènerait le premier monde, mais juste pour tester quoi.
Plein d'énigmes, j'ai peur d'en lancer Tales Principal pour faire le DLC. Seul contenu qui me reste, c'est le tout oublié depuis. Ouais. Le dernier lancement, quand j'ai fini le jeu hors DLC. Eh oui, 2 ans plus tard, c'est compliqué. Bah, surtout pour peu qu'il utilise des mécaniques ou des trucs comme ça que t'as vu un peu avant. Ouais, ça risque d'être chaud. Ouais. Je sais plus qui en parlait il y a pas longtemps. Il y avait un jeu qui faisait ça, qu'en gros, si ça fait longtemps que t'as pas joué au jeu, quand tu le relances, quand il lance son niveau, il te met en tuto en fait, pour te rappeler les boutons, le truc comme ça. Et effectivement, je trouvais que c'était une excellente idée. Parce que t'as plein de jeux où, quand ça fait longtemps que tu les as pas lancés, t'oses même pas les lancer parce que tu dis, oh non, mais tant que je me rappelle comment ça se joue, ça va être la galère quoi. Et je sais que déjà moi, des fois, en aventure complète, d'une semaine sur l'autre, j'ai limite peur de lancer le jeu en me disant, putain, je me rappelle même plus ce que c'est les touches, comment ça marche, etc. Bon, peut-être pas une semaine sur l'autre, mais vous voyez l'idée générale. Et c'est vrai qu'effectivement, des fois, un simple rappel des touches, des mécaniques vite fait, ça pourrait être pas mal. Hein. Merde, j'ai oublié de tourner. Et vraiment, voilà pour tous les jeux, hein, aussi bien, je sais pas. Aussi bien le roguelike où t'as des pouvoirs, des roulades, des machins, que bah du coup après tu te rappelles plus trop comment ça marche. Les jeux d'aventure où t'as une gestion d'inventaire qui est un peu relou et que bah après tu te rappelles plus comment ça fonctionne non plus. Les jeux de survie, enfin un peu tout, quoi. Bon, seulement si ça fait longtemps que t'as pas joué, hein, évidemment. Si à chaque fois que tu lances le jeu, tu te remets le tuto, ouais, ça va être relou, mais. Ou l'histoire aussi, ouais. C'est vrai que c'est pas mal aussi, ça, de rappeler bah, genre la dernière quête ou là où t'en es. Ouais. Les RPG, j'ai commencé depuis le début, ouais, c'est ça, ouais. Ça, les RPG, clairement, tu sais plus où t'es. Tu sais plus où c'est, tu sais plus ce que tu dois faire, tu es bon, bah voilà, allez. Mince. Ok. Voilà, c'est raté. T'as l'empêche, ils ont quand même fait un super boulot avec ce title pack. Hein. C'est honnêtement. Je trouve que les sensations, elles sont vraiment. Après, je peux pas dire qu'elles sont fidèles, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué pour de vrai au premier Trackmania. Encore, j'y ai rejoué il y a pas si longtemps, mais. Mais ouais, clairement, Enfin, moi j'ai l'impression de retrouver le feeling de Snow, quoi. Ah mince, j'ai pas vu qu'il y avait une barrière en plein milieu. Bon, bah, faut que je refasse. TDA, Mystery Mood, c'était encore là. C'est quand Alpha 6 de Scorchbringer? Le gros relou qui a eu l'Alpha 5 la semaine dernière, mais. Je testais le monde 3. Dans un endroit. En tout cas, comme je l'ai dit, hein, vraiment le deuxième monde, ouais, vous avez mis la barre bien plus haut. Faut que j'y rejoue d'ailleurs. J'en ferai peut-être une soirée dessus d'ici, même avant la 6 peut-être. J'essaie de voir si j'arrive à me trouver un peu de temps pour ça. Parce que ouais, le monde 2, il est pas évident. Il y a quand même plein de nouveaux ennemis avec des patterns un peu relous. Faut qu'on refasse tous les skills et alternes. D'accord.
Ouais, ça vous plaît pas ou vous avez des nouvelles idées ou rééquilibrage ou... Ah non. C'est bon ça. Ah non, c'est pas trop bon. Ouais, j'aurais pu. Eh merde, 0-2. C'est pas assez significatif. Faut qu'on revoie l'ordre des skills débloqués pour pas que tu te retrouves dans des mêmes difficultés. D'accord. Ouais, c'est vrai que là, du coup, quand j'ai joué avec tout déjà débloqué. Donc c'est vrai que du coup, j'ai pas pu voir vraiment la progression. D'ailleurs, actuellement, il y a moins de reset ou pas? Je sais même pas en fait. Supprimer ta sève, ouais. Faut le faire manuellement, il n'y a pas de bouton en jeu pour ça. Faut que j'aille voir comment il faut le passer là le tuyau à la fin là pour gagner du temps. Parce que j'en perds un petit peu et vu qu'il y a une montée dans la foulée. Il n'y a pas de reset en jeu, d'accord. Bon, ça c'était pas mieux. Non, moi bah, je pense qu'il faut que je prenne vraiment tout droit en fait. C'est juste que je dois pas avoir cette vitesse par rapport à la médaille d'or. Merde. Mais franchement, là, je trouve un Scorchbringer, je trouve jouissif à jouer. Hein, il est. Je pense qu'en termes de feeling, c'est un des jeux ouais, où ça m'éclate le plus récemment, quoi. Enfin, je me suis plus éclaté récemment hein, en termes de feeling et tout. Alors, c'est tellement speed que du coup, je finis par me prendre des coups alors que j'ai l'impression que non. Mais je suis persuadé qu'une fois qu'il est bien maîtrisé, le jeu, il est. Il y a vraiment juste la dernière à mon avis. Enfin, là, je suis curieux de voir Florian le niveau qu'il doit avoir dessus parce que je pense que ça va être monstrueux, quoi. Oh, 0-1, c'est bon, ça passe, j'ai la médaille d'or. Tout va bien, easy. À chaque fois, je vois entre le moment où je commence la soirée et le moment où j'arrête, ça va quand même beaucoup mieux et tu as. Il faut du novice, c'est sûr. Ah bah, au bout d'un moment, ouais. C'est à chaque fois entre le moment où je démarre la soirée et le moment où j'arrête, ça va beaucoup mieux évidemment. Ce soir, je m'en mêle, bah, je m'en mêle dans les boutons, quoi. Mais ça, je détesterais devoir équilibrer ce type de jeu parce que c'est à force d'y jouer, tu deviens beaucoup trop fort.
Et du coup, c'est vraiment dur après de réussir à. De réussir à dire si oui ou non c'est dur ou pas, quoi. Surtout que ça lie pas mal de choses, ça lie aussi bien bah, le skill pur, il y a les réflexes, enfin, c'est même pas ça, ça lie déjà la connaissance du jeu. Donc ça va, bah, connaître déjà le pattern des ennemis, le comportement des ennemis. Ça lie bah, le fait de maîtriser les différentes attaques, enchaîner les combos, etc., se déplacer, et puis aussi, bah, on va dire, les réflexes. Putain, je me suis vraiment pris la toile, non? C'est gravité de la. Ouais, c'est. Et vraiment rigolo. Enfin, moi j'aime bien le. Snow, c'est un environnement que j'ai pas mal joué quand même. Dans l'ordre, dans ce que j'ai le plus joué, j'ai le plus joué Rally évidemment. Après, c'est Snow et en dernier Désert. J'ai été relativement bon sur Snow à un moment. Bah Island c'était Trackmania Sunrise. Et Sunrise vu que j'ai pas trop aimé, j'ai pas joué tant que ça quoi. Mais sur Sunrise je préférais B. Qui se rapproche un peu de Snow finalement en termes de comportement du véhicule. Hein. Du coup sur Sunrise c'était B que je préférais après Island et en dernier Coast, que bon, vraiment Coast je déteste hein, comme beaucoup de gens. Ah merde. Bon ouais, vu que je les ai mal pris, il va me gratter, dégoûté. C'est un peu Lagoon me semble comme véhicule. Ouais, c'est une sorte de gros 4x4 qui tient bien la route. Mais par rapport à Lagoon, t'as pas de truc à la con, genre du parquet ou des choses comme ça. Enfin. Donc finalement, je trouve que ça ressemble bien en fait à. Ça ressemble pas mal à Snow. Quoi. C'est au final, t'as un véhicule qui va assez vite et qui a une adhérence énorme. Quoi. Bah en fait, il peut être rapide sur les maps, quoi. Parce que la voiture, vu qu'elle tourne super vite, en fait, tu peux vraiment faire des parcours qui descendent avec plein de virages et qui s'enchaînent et tout. Mais oui, clairement, Lagoon est plus speed, hein, ça y a pas de souci. Mais il y a moyen de faire quand même des maps rapides avec Snow, en fait. Ouais, alors après oui, c'est vrai que du coup, t'as pas une. C'est pas rapide, t'as comme une impression de vitesse, on va dire. C'est plus ça l'idée, quoi, effectivement. C'est vrai que sur le compteur, c'est pas marqué que tu vas méga vite, mais le fait que t'aies pas mal d'éléments au bord de la route et tout, font que. T'as genre les petits. Les tunnels, les trucs comme ça, quand ça défile vite, c'est. Oh merde.
Ah, mais c'est une multilap à nouveau. Mais j'ai l'impression que les multilap, ils sont énervés, hein, parce que. C'est autant les maps normales, je trouve que bon, bah, la médaille d'or, elle s'échappe relativement facilement, mis à part les maps à la con avec les boss ou les trucs comme ça. Autant les multilap. Oh merde. Bon, bah là, c'est raté. Allez, on pourra recommencer. Et bah, c'est vrai que c'est plus une impression de vitesse parce que les virages s'enchaînent vite, en effet. Nickel ça. Ben, j'ai bien cru que j'allais me faire avoir. Finalement non, large, 0,2, tout va bien. J'aurais été un peu triste quand même. Souris large, c'est ça. Il va être moche ce start là. Il y a Alain qui a posté tout à l'heure là, qui a eu un petit tweet là avec. Avec une vidéo de leur jeu là, de l'avancement sur la gestion de l'éclairage. C'est sexy. C'est vraiment sexy. Oh. Non! Quel con. Ah, dommage, j'étais à la fin, quoi. Enfin, j'étais à la fin, tout est relatif, mais. Ah oui, non, tout est relatif, je pensais que j'étais vraiment plus près de la fin. Ça marche, des bisous, Frius.
Furious, tiens, si t'es pas encore barré, tu sais jusqu'à combien on peut jouer à Midway XL ou pas? Pourquoi je suis allé là? Qu'est-ce qu'il a fait mon cerveau? Mais non. Oh! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi je m'attendais à un virage dans l'autre sens alors que. Ah bah là aussi. Ok, très bien. Zut. Merci. En parlant de RPG, je vais peut-être commencer Ni No Kuni 2 avec ma femme. On va peut-être commencer dimanche prochain. Après, c'est un peu dommage, on n'a pas fait le 1, mais d'après ce que j'ai lu, a priori, c'était pas. T'es pas obligé de faire le 1 pour faire le 2, donc. Et vu que j'ai le 2 sur PC, on fera le 2 et puis. J'essaie de récupérer le 1 à l'occasion. Ah, mais non! Purée. Putain, j'ai du mal à voir les virages là dans ce niveau, je sais pas pourquoi. J'ai tendance à partir du mauvais côté. C'est dur. T'es sûr, mais pas envie de m'acheter une manette juste pour ça. Putain, mais du coup, je peux. T'as c'est vrai que t'as pas de manette, toi. C'est quand même assez. Le pire, c'est que ça coûte pas trop cher, quoi. Enfin, ça dépend, mais. Et c'est obligé de jouer à la manette, assure. Après, de toute façon, vu qu'il vient de console, j'imagine qu'il est effectivement optimisé pour la manette. Mais. Mes jeux sont des hack and slash, c'est RPG, FPS. Ouais, c'est vrai que. C'est vrai que vu comme ça. Ouais.
Bah, bien sûr, tous les jeux qui sont adaptés directement de la console au PC, qui sont portés de la console au PC, vaut mieux avoir une manette quand même. Merde, il fallait aller à droite. Ok. C'est bien plus dur quand même là les maps. Elles deviennent bien plus dures. Hein. Merde. La petite gauche-droite, il était sale celui-là. Oh. Il est joli leur panneau à gauche. Petit panneau animé là. C'est ça qu'il te faut rester pour ta map. Hein. Un petit panneau animé. Merde, j'ai touché. Dégoûté. Ah ça, c'est con. J'ai vraiment touché au seul endroit où... seul endroit qui est un petit peu technique jusqu'à la fin. Mais je suis en train de me dire au fait Furious s'il joue déjà plus à Arcage en fait. C'est bon, vu Fufu, ces derniers temps il joue à Arcage, là ça fait 2 soirs je vais jouer à rejouer à PoE donc. Il aura pas joué longtemps en fait. Zut. Et du coup, Arès, tu me disais, ouais, donc, enfin, tu disais, t'as marqué, en fait, la coupe Zerator, c'est un partenariat avec Xbox, en fait. Parce que j'ai vu effectivement l'annonce. En fait, j'ai vu l'annonce parce qu'il y a Damdam qui a tweeté en citant Bagheera Jones. Mais mince. D'ailleurs, c'était bien n'importe quoi aujourd'hui. Il y a Damdam qui était avec. Elle était chez Mister MV. Et du coup, ils ont joué à Evo, là, le jeu à la con où tu gères les têtes avec 2 bras, là. Et c'était bien n'importe quoi. Bon, j'ai pas trop regardé, j'ai regardé juste vite fait comme ça, mais. Et c'était. Bon, c'était comme prévu, quoi.
Et ce jeu, bah limite, ouais, j'aurais presque envie de le prendre pour mes gamins, enfin pour jouer avec mes gamins, mais j'ai peur que ce soit trop dur quand même. Xbox Game Challenge, ouais. Ah bah il remarque ça qu'avec un nom comme Xbox Game Challenge, on aurait pu s'en douter, en effet. Là on est bien. Alors comment je vais faire pour vendanger mon avance? Comme ça aurait pu. Ouais, je peux pas devenir quoi. Une Twingo verte. Ok. Bon, nickel. Et ouais, du coup, oh ouais, je me dis, typiquement, c'est un truc qui pourrait marcher avec les gamins, mais faut que je regarde presque le live en fait pour voir à quel point ça se complique rapidement ou pas les niveaux. Ou s'il y a plusieurs niveaux de difficulté, ou. Mais sinon, dans l'absolu, c'est rigolo quoi, c'est la tête qui s'accroche, qui tombe, etc. quoi. Mais ah, ok, c'était par là. Ah, ça passera pas ça. On va se passer à moitié, mais. Oups. Ah merde, j'ai toujours pas commandé mon cadeau d'anniversaire, moi je suis en train de dire. Ah, ça fait depuis la semaine dernière, je me dis, faut que je me commande mon cadeau. Depuis la semaine dernière, j'ai oublié. Je pense à ça parce que finalement, je vais peut-être avoir les suppléments de Deadland. Surtout pour Gazou, je dis ça. Des trucs que j'ai baqués il y a, je sais pas, 2 ans, 3 ans peut-être. Et ça, ils vont enfin arriver. Du coup, ça se trouve, je les ai avoir pour mon anniv. Et en pensant donc au supplément, donc au bouquin, je me suis dit, tiens, bah. Merde, c'est raté. Bah, c'est le problème de Black Book Edition, ils ont des super trucs, mais bon, ça arrive un jour quoi. Après, à chaque fois, la qualité elle est nickel, hein, mais du coup, ouais, je vais avoir les deux suppléments dans pas longtemps là. S'ils ont mis des photos là sur Facebook avec bah, que c'était eux, ils étaient arrivés, donc là ils sont en train d'envoyer les commandes, donc je pense d'ici la semaine prochaine, à mon avis, je les aurai quoi. Peut-être pas d'ici fin de semaine, mais je pense que la semaine prochaine, ça sera bon. Après, je suis pas retourné voir la date, mais je pense vraiment que ça va faire 3 ans. D'ailleurs, je me dis heureusement qu'on paye au moment où. Oui, c'est validé, hein, ça ferait bizarre. Hein. 3 ans plus tard, bim, t'as un paiement qui passe, tu fais, ah, qu'est-ce que c'est?
Oh la vache, putain, il est pas évident ce petit passage dans la neige, non? Ouais, pas mal. Et on y croit. Celle-ci, c'est la bonne. Ou pas d'ailleurs, mais. Ouais, on va tenter l'arnaque, hein, parce que là, manifestement. Ah bah. Ou pas. Yo, spoon, ça. Zut. Ah, si, y a moyen d'arnaquer, je prends ton monde directement sur la plateforme en dessous. Je pense qu'il y a moyen d'arnaquer, mais pas comme je pensais faire. Ah là. Ah oui, c'est complètement différent là. Ça a rien à voir. Là. Après, de toute façon, concrètement, Trackmania, chaque environnement a sa maniabilité. C'est vraiment. Chaque environnement a un gameplay complètement différent les uns des autres. Hein. C'est. C'est ça qui est rigolo d'ailleurs. Bon, est-ce que j'essaie d'arnaquer ou pas? Ah, purée, j'aurais pas dû. Ouais, voilà, c'est pour ça, mais vraiment, chaque environnement est totalement différent en termes de maniabilité, en termes de gestion, de ce qu'il faut faire ou pas. Mais celui-là, il est vraiment particulier parce que la voiture elle a un grip énorme. Du coup, c'est marrant parce qu'il peut prendre des virages super serrés. Oh! Oh, je suis dégoûté. Ok. En fait, celui-là, c'est un des environnements du Trackmania original. En fait, sur le tout premier Trackmania, donc t'avais trois environnements, t'avais Snow, Désert et Rally. Et du coup, bah, celui-là, c'est un des trois qui était remis au goût du jour avec le moteur de Mania Planet actuel. Et ils ont fait aussi T1 Désert, enfin T1 Speed. Il n'y a que Rally qui n'a pas été refait encore. Ok, cool. Et Désert, elle est vraiment différente aussi, parce qu'en fait, Désert, dès que tu tournes, elle se met sur deux roues, ta casse. Et donc, t'es toujours à la limite à.
C'est quoi ton préféré? Alors, Strikemania classique, moi ce que je préférais, ce que je disais, c'est. Enfin, de tous les temps, en fait, j'ai toujours préféré Rally. Rally, c'est l'environnement que j'ai le plus joué, et vraiment, je l'adore. Et après, bah, je crois que Stadium, maintenant, je me rends bien à force d'y avoir joué dessus, en fait. Après, du coup, le premier Trackmania, ouais, dans l'ordre, c'était vraiment bah, Rally, Snow et Désert. Ce que je disais tout à l'heure sur le Sunrise, donc celui qui s'est sorti après, dans l'ordre, c'était Bay, Island et Coast. Et après, dans le Trackmania 2, j'aime vraiment bien Canyon en fait. Canyon je trouve super rigolo à jouer. Valley ça va aussi. Lagoon je suis pas vraiment fan. Mais sinon ouais, clairement Stadium j'aime bien parce qu'en fait bah, déjà j'aime bien la maniabilité du véhicule. Et puis c'est vraiment varié quoi, entre il y a moyen de faire plein de choses avec la dirt, avec la... ça permet vraiment plein de styles de conduite qui n'auraient pas forcément avec les autres environnements quoi. Même si là tu peux faire du hors-piste, des trucs comme ça, c'est pas. Je pense pas que la physique soit aussi poussée que dans un stadium pour faire des choses sympas quoi. On y croit. Tout ça, ouais, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de gens. Évidemment, énormément de gens qui ont connu Trackmania via Stadium. Donc, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis dans Trackmania 2, hein, parce qu'il était entre guillemets obligé, quoi. Si vous voulez que Trackmania continue, il fallait absolument qu'il y ait l'environnement compétitif, hein, le plus joué en tout cas, qui soit dispo. Aïe. Oh, c'est passé ça, non? Ah, il faut que j'ai une puce extérieure au début pour pouvoir tourner. Oups. J'étais sur notre Trackmania 2, quand même c'est le plus sympa. Ouais, pour moi je trouve c'est le plus sympa. Canyon Valley, mais Canyon c'est rigolo parce que tu fais des drifts énormes quoi. Après ça dépend ce que tu cherches. Si t'aimes bien les gros drifts, Canyon c'est vraiment cool pour ça. Si par contre t'es plus chaud des trajectoires au poil de fion, etc., bah Valais c'est mieux quoi. Enfin c'est pas mieux mais.
Mais je trouve qu'on s'amuse plus sur Canyon rapidement. Valais encore maintenant, je m'amuse, mais sans plus quoi. Enfin, ouais, non, Canyon, clairement. C'est viral, à chaque fois je perds du temps, à chaque fois ça fait un petit dérapage, je le prends trop sec. Ah merde, j'ai cru que c'était qu'il fallait tout droit. Ouais, franchement, Canyon pour ça, c'est vraiment cool quoi. T'as vraiment des drifts énormes à faire. Ah, dommage. Dommage, dommage. Elle est moins facile les maps là quand même. Ouais, c'est pas mal là comme j'ai pris. Là j'ai pas perdu trop de temps. Et on y croit. Mais on n'y croit pas du tout quand on se prend un poteau comme ça. Ah bien là. Le plus triste c'est que je me rappelle plus de la fin du niveau. Ah mais si c'est bon. Ok, nickel. Ah j'en suis où là? Eh bah B10. Bon, du coup j'aurais fait ça, c'est déjà pas mal non? Alors est-ce que à nouveau, bon là je me dis que je dois être large parce que la médaille hauteur elle est 8 secondes en dessous, non. Et vu que depuis tout à l'heure les multi-lapels sont vénères, 8 secondes en dessous c'est complètement débile quoi. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser sur cette map. Ouais, c'est perturbant, mais c'est vraiment rigolo à jouer par contre. Mais en vrai, enfin, oui, ça se voit là, mais je trouve que c'est un peu tous les environnements en Trackmania, quoi. Enfin, honnêtement, peu importe Trackmania, dès que tu touches un truc, c'est mort, quoi. Tu perds directement une seconde et demie. Bon, surtout que là, la casse-là, elle a effectivement pas d'accélération, donc. Et vu qu'en plus, quand tu. Enfin, là, j'avais touché juste avant la montée, donc. Mais clairement, Trackmania, c'est enfin, c'est le jeu où dès que tu touches un truc, c'est fini quoi. Tu peux faire une croix sur le temps que t'es en train de faire. Merde!
Et je trouve ça, tu le vois vachement quand tu joues en mode round, où t'es côte à côte avec les gens et d'un moment tu rates juste un tout petit truc. Enfin là, tu le vois avec le gosse, quoi. Mais genre t'es côte à côte, tu touches à peine un truc et là, t'as le ghost ou le concurrent qui se barre à l'autre bout du monde. C'est vrai qu'avec une montée comme ça dans la foulée, si t'as le malheur de toucher, c'est archi marrant. Oh merde, bon bah voilà. Allez, salut! Et puis là, c'est vraiment salut, salut quoi. Là, c'est vraiment dans le galop, c'est MKN. Ouais, oui. Après, là, clairement, ouais, c'est de l'optimisation pure et dure, hein. Soit les virages, dès que tu les prends un peu trop serrés, pas assez serrés, machin, ouais, tu vois la différence. Bah, de son, depuis tout à l'heure, on voit bien, hein. Depuis tout à l'heure, je trouve que les médailles d'or, elles sont assez serrées quand même, hein. Elles sont serrées, elles sont pas impossibles, hein, évidemment. Mais tu. Enfin, il y a quand même pas mal de fois où il a fallu que je refasse encore et encore, jusqu'à prendre relativement bien les virages pour. Toi, c'était même pas le fait de pas faire de faute, hein, c'était vraiment de bien prendre les virages pour. Bah, comme là, quoi. Là, par exemple, j'ai mal pris le pipe, et directement, boum, salut. Bon, après, ça t'apprend vraiment à jouer. Mais en tout temps, bon, sinon, c'est pas avant, ouais. Mais voilà, c'est plus une sorte de pourcentage finalement. Puis après, ouais, ça dépend aussi beaucoup finalement de l'accélération de ta voiture, quoi. Quand t'as une voiture qui retourne à vitesse max relativement vite, bah même si t'accroches, c'est pas si grave. Quand t'as une voiture comme ça qui est plutôt lente, bah si t'accroches avant de remonter à ta vitesse max, tu sais que ça va te prendre un bon moment, quoi. D'autant plus si t'as une montée, là, c'est la catastrophe. Oh là là, bah j'ai dérapé, bah c'est marrant. Regardez, oh, eh, salut. C'était le petit dérapage dans le tuyau. Oh là là. Ça c'est cool, c'est quoi, c'est le quatrième multilab que je fais là. Et je viens seulement de découvrir, de voir qu'il y avait une icône en haut à droite pour me dire que c'est un multilab. Ça va. Oh là là, ouais, bah, c'est raté. Allez, salut. Je suis à combien là? 1,30, ouais. C'est horrible. Et le pire, c'est comme c'est que de la montée, bah ça continue quoi. À 1,23.
Ouais, vraiment, le tube, faut absolument pas que je le foire. Hein, si je. Ah, c'est foiré. Ah, ça va. Ça aurait pu être pire. C'est pas génial, mais ça aurait pu être pire. Ah, mais moi, je suis chaud bouillant, moi. Je suis tellement chaud bouillant que je vais à Montpellier chez Taz. Ah oui, c'est, on n'avait pas dû en parler, je pense. En fait, en gros, il y a, bah, y a Nefast, enfin, c'est pas Nefast. Il y a Taz, Tazminator, de POEFR, qui pour. Qui en fait, comme ça, à moitié en déconnant, il disait, tiens, ce serait cool qu'on fasse un truc, une IRL pour les Alcon, quoi. Celui, en fait, il a un appart, il pouvait avoir un appart à Montpellier. Et il serait sympa que tout le monde se réunisse et puis qu'on fasse un truc entre anciens de POEFR, enfin, anciens ou encore des gens présents là-bas, mais. Et du coup, c'était une idée de lancer un peu comme ça, et puis finalement, les gens ils ont dit bah ouais, carrément. Moi j'étais chaud aussi, et du coup, bah, du coup week-end prochain, je vais à Montpellier quoi. Et donc, du coup, il y aura Taz évidemment, vu que c'est chez lui. Donc, moi j'y serai, il y aura Furious qui sera aussi, il y aura Nefast, il y aura Fata normalement. Qui c'est qui a dit qu'il y allait aussi? Parce qu'après, il y en a qui a dit que c'était bon, et puis finalement, c'était plus bon. Il y a peut-être Swell qui sera, je sais plus ce qu'il a dit Swell. Il y a Blazing, il peut pas y aller finalement. Taille, on sait pas encore, mais a priori, il sera méga chaud. Ah voilà, normalement, entre je sais pas, 5-6 peut-être. Après, le problème, c'est qu'en ce moment, en plus, enfin, c'est pile au moment où il va y avoir des mouvements de grève. Donc, apparemment, pour certains, c'était un peu la merde, bah, notamment Fata, où son train, pour l'instant, il est annulé, donc c'est. C'est un peu la misère. Et du coup, ouais, je suis. Bah, je suis. Oh non! Oh putain, putain! Ah, je suis dégoûté. Oh, il a tapé! Il a tapé! Mais c'est pas possible! Il a pas le droit de réaccélérer comme ça, il a tapé! Laisse-moi passer, dégage! Il a retapé! Yes! Merci le jeu, t'es trop gentil. Le pire, c'est que j'ai fait restart. Et donc, du coup, ouais, donc, je serai bah, vendredi, samedi, dimanche à Montpellier, quoi. Et ça me fait super plaisir. Bah, déjà, ça me fait super plaisir pour voir les annonces. Et puis, ça me fait surtout super plaisir de voir les gens, en fait, tout simplement, quoi. Parce qu'en fait, il y en a plein que je connais depuis super longtemps. Bah, Nefast, Fata, etc. Il y en a plein que j'ai jamais vu, mais que je connais depuis bah, 6 ans, 7 ans, quoi. Donc, bah, c'est trop cool quoi, de se voir en vrai. Et sinon, après, bah, en termes, ouais, enfin, en termes d'annonce, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont annoncer pour la 4.0, quoi. J'ai vraiment envie déjà de savoir. Ça plus que Diablo 4, moi non, parce que vraiment Diablo, moi, je suis un Diablo fan, hein, clairement. Et en plus, ce qu'ils ont annoncé pour Diablo 4, ça me plaît vraiment bien. Donc, du coup, voilà. Par contre, vu que c'est pas encore tout de suite du tout. Bon. Je suis hypé, mais voilà quoi, faut attendre quoi. Alors qu'au moins la 4.0 sera fin l'année prochaine, donc ça arrivera vite quand même. Mais par contre, ouais, j'ai vraiment. Bah, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont annoncer quoi, parce que je pense vraiment qu'ils vont faire un truc de fou, mais en même temps, j'ai aucune idée de ce qu'ils peuvent faire comme truc de fou quoi. Trooper se copier sur. Honnêtement, il n'y a pas grand chose qui est copié sur D2 quoi. Enfin. C'est finalement les runes ça fonctionne pas pareil, les compétences ça fonctionne pas pareil. Faudra voir hein, évidemment. De toute façon, d'ici là, ça. Mais non, moi vraiment, Diablo 4, ce qu'ils ont annoncé, ce qu'ils ont montré, ça me plaît beaucoup. Hein. Ça me plaît beaucoup. C'est en termes de gameplay, animation, dynamisme, etc., ça ressemble à Diablo 3, ce qui. Honnêtement, pour moi, je trouvais Diablo 3 en termes de. En termes d'enrobage, de rendu, etc., c'est ce qui se fait de mieux. Et là, ils refont ça, mais avec un rendu plus sombre. Ah, ok, nickel. Après, voilà, en termes
termes de spells, de possibilités et tout, faudra voir quoi. Mais après ils ont annoncé des trucs sympas, comme le fait que bah du coup ça sera plus basé sur les stats, bah, très bien. Que ce sera plus des combinaisons d'objets uniques. Moi ça me va parfaitement. Mais bon voilà, après là c'était vraiment beaucoup de notes d'intention, donc faut la voir à terme ce qui sera gardé ou non, et ainsi de suite, quoi. Après moi le truc qui me font peur, hein, ce que j'avais dit, c'est bah, le cheval par exemple. Le fait que j'espère qu'ils vont pas transformer ça en MMO coréen où en gros t'as un cheval parce que t'as les grandes étendues où il se passe rien à traverser, donc vu que ton perso il est lent, bah t'as un cheval. Ce genre de truc qui est pas intéressant, mais bon, j'espère qu'ils vont pas faire ça. Ouais, mais moi aussi, enfin, honnêtement, enfin, sans Diablo, je suis complètement une victime, hein, dès que ça parle de Diablo. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, faut que je pense à commander mon cadeau d'anniversaire. Je vais m'acheter le bouquin d'Adria, quoi, qui vient de sortir. Et je pense que j'achèterai aussi Art of Diablo, qui sort dans pas trop longtemps, et ainsi de suite, hein, donc. Mais bon voilà, après Diablo 4 honnêtement c'est vraiment vraiment pas près de sortir. Enfin ça l'est d'autant plus que. Enfin d'autant pas plus qu'ils ont dit que c'était pas près de sortir même pour Blizzard quoi. Donc déjà d'habitude quand ils disent que ça sort pas tout de suite c'est déjà lent, mais là ils ont dit que vraiment même pour eux c'est vraiment vraiment pas tout de suite quoi. Mais je suis plutôt confiant sur le fait qu'ils fassent quelque chose de vraiment bien. Sauf que le fait qu'ils attaquaient la BlizzCon par ça, c'est que vraiment ils ont envie de sauver la licence entre guillemets, quoi. Enfin pas la sauver, mais en tout cas ils ont envie de la mettre vraiment en avant et de capitaliser dessus. Donc c'est qu'ils ont envie de faire un truc bien, quoi. Et après, PE 4.0, en fait, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont annoncer, parce que j'ai absolument aucune idée de ce qu'ils peuvent faire, quoi. Parce que rajouter les actes, ça ferait trop, entre guillemets, quoi. Ou alors faire ce qui est dit à un moment, faire une sorte de hub, où du coup tu peux choisir les actes que tu veux faire, voilà. Je sais pas. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte. Puis de toute façon, je suis sûr qu'ils vont sortir un truc de fou, donc. C'est à 3.0 et c'était parti tellement loin avec. Oh bah tiens, dis donc, on a mis l'acte 5, mais on a mis 6, 7, 8, 9, 10 en même temps. Allez, salut, des bisous. Du coup, là, ils sont obligés de faire un truc vraiment gros aussi. En plus, pour la 3.9, ils ont dit que ce serait une grosse extension, enfin plus grosse que ce qu'ils font habituellement. Donc pareil, je pense que même pour la 3.9, ils vont annoncer des trucs intéressants aussi. Qui te ressort du fanservice, nostalgie, à gogo, repompe. Ouais, bah après, là par contre, clairement, ce sera de la repompe de ce qui marche ailleurs, y a pas de souci. Mais bien sûr, ils le font, enfin, ils le font bien, hein, bizarre. Ils ont toujours été bons pour prendre ce qui se passe ailleurs, le mixer un peu, rendre ça un peu plus intuitif, plus sexy, et puis voilà, quoi. Donc là, clairement, je pense que Diablo 3, ça sera un mix entre Diablo 1, Diablo 2. PoE, enfin tout ce qu'ils pourront trouver à côté qui leur va bien, ils le mettront dedans. Hein.
Moi, en soi, ça me dérange pas, moi, l'idée de je prends ce qui marche ailleurs, je mixe, je fais la même chose en mieux. C'est cool, quoi. Ça me fait penser à un truc. Ah oui, Riot. Nos moteurs de la physique, ça serait. Une direction artistique. Oh non! Ah c'est bon, ça va peut-être passer quand même. Ah ça passera. C'est vrai qu'ils sont incapables d'entendre un truc, mais des éclats de toux, ça me dépasse. Ouais, c'est. Bah ouais. Mais ouais, du coup, pour PoE, c'est en fait le truc, c'est que PoE, vu que bah, ça fait quand même une paire d'années qu'il est sorti, le problème c'est que tu rajoutes des couches sur des couches sur des couches, et ça devient quand même vraiment compliqué quoi. Et je pense qu'ils ont clairement envie de bah, qu'il y ait des nouvelles personnes qui puissent essayer au jeu sans trop galérer. Le fait qu'ils aient déjà beaucoup d'actes, rajouter des actes, ça me paraît compliqué quand même. Je veux dire, là, il y en a déjà 10. Si t'en mets plus, ça fait vraiment beaucoup, quoi. Après, une nouvelle fixe serait cool si ça tourne sur mon PC, quoi. Enfin, tu me diras, d'ici un an, j'aurai eu le temps de changer. Évidemment, j'ai eu la fibre, mais. Des actes potentiels, pourquoi pas? Moi, franchement, ça me plairait bien parce qu'il y a très longtemps, bah, quand ils avaient annoncé un peu l'avenir de PoE, etc., eux ils voyaient le truc comme une sorte de vraiment t'as un hub et c'est toi qui choisis un peu vers où tu veux aller, quoi. Bon, finalement, ils l'ont pas fait comme ça, mais ils pourraient revenir à un truc comme ça où je sais pas, au moins t'aurais des choix qui feraient que bah t'aurais accès à tel ou tel acte suivant ce que t'as décidé, quoi. Soit des choix en jeu, bah toi comme à l'acte je sais plus combien, ou en gros tu peux rendre, c'est quoi, c'est une plume, non c'est quoi, je sais plus. Et tu choisis à qui tu rends l'objet en ville, non, pour savoir qui va devenir le chef de la ville, quoi. Et du coup c'est un truc où il pourrait éventuellement passer un impact sur la suite des événements, quoi. C'est pas très rigolo. Il y aura un nouveau endgame, ouais. Et je leur fais vraiment confiance pour faire un truc très bien. Surtout qu'ils ont un petit peu trollé Blizzard pour Diablo 4, donc c'est qu'ils ont des trucs à annoncer, quoi. Enfin, ils ont trollé à moitié, quoi. Et pas en passe, ouais, putain, j'aimerais bien qu'il soit effectivement pas un truc comme ça, ouais. Non, mais c'est ça, j'ai honnêtement, ouais, sur les gros trucs, il n'y a jamais de déception, quoi. Puis le truc, c'est voilà ce que je dis, le fait qu'ils trollent un peu Blizzard et tout, c'est qu'ils ont quelque chose à annoncer, quoi. Sinon, tu peux pas te permettre de te moquer si après t'as rien de vraiment quitté la route, quoi. Après c'était pas du troll méchant, hein, mais sur le truc où si t'as pas quelque chose à annoncer qui soit classe, bah tu fais profil bas quoi, tu t'amuses pas quoi. Ah, et ils ont refait un pass sur tous les boss quoi. Ok, pardon, je crois que tu parlais du système de connexion
de Warframe maintenant où t'as des trucs à valider, etc. quoi. Non, tu disais le fait de, ouais, de retoucher tous les boss possibles. Yotaz. Il est trop fort avec des bols d'acier. Ouais, non, mais je. Ok. Parle d'Exalcon, n'oubliez pas de suivre le FPOSA, première casting canapé du monde. Ce sera le stream officiel chez moi. Ah, l'enfoiré, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok, très bien. L'excession de 6000 alpha. On est encore 6 ou pas? Ouais, pour l'instant, on est encore 6 suivant les greffes, quoi. Après, on parle de mal alpha. En vrai, dans le tas, il y a quand même des gamins, quoi. D'ailleurs, avec Fuse, on ramène des bières, mais par contre, Taz, il faudrait peut-être en mode tes parents. Comme quoi, t'as le droit de boire de la bière. Je vais pas avoir des problèmes après. Oh merde. Ah purée, j'aurais pas eu troll. Tant pis. Fatum, si son train passera pas, il va se débrouiller. Hein. Bah, j'espère, ce serait cool quoi. Ah, ça fait vraiment plaisir de voir Fatum. C'est comme ça que ça restream en 1080, mais complètement, il a la fibre. On est large. Celle du stream va derrière main au dernier moment, c'est chez Taz. Ah, bah, ça, c'est pas impossible. Mais normalement oui, on aura effectivement plusieurs heures pour préparer, donc on devrait être plutôt safe, mais bon. Moi ce qui est prévu, hein, je pars vers midi de chez moi, vers 14h je suis chez les parents de Fufu, normalement vers 16h, 17h, mais voilà, pire des cas, 17h on va dire, avec les bouchons, on est dans l'appart de Taz. 17h, la conf elle est quoi, à 22h, non, un truc comme ça. Normalement, à partir du moment où nous on est là, déjà il y a 5h. Et sachant qu'il y en a d'autres qui arrivent plus tôt, donc on doit être pas mal. Bah aussi, je stocke où je me prends. C'est con, si on était organisé, on aurait pu faire une sorte de. On aurait pu mettre une question, un espèce de sondage sur POFR, où chacun disait ce qu'il pensait aller y avoir à la 4.0, et ce qui est le plus proche de la réalité, paf, il gagnait des boîtes, une canne comme ça, quoi. Mais bon, après, ça demande de l'organisation. Faudrait qu'il y ait quelqu'un. À la direction de POFR, que ce soit pas en blaireau, quoi. Il n'y a pas de direction PEFR.
Ah, mais le communisme, c'est bien aussi. Ouais, mais là, j'ai touché. Mais blague mise à part, ouais, si Chris il a filé des casses, je pense que ça pourrait être cool de faire un truc comme ça, une sorte de jeu où ceux qui veulent participer, bah, ils disent ce qu'ils pensent, voilà. Ce qu'ils pensent qu'il va y avoir dans la 4.0, et puis celui qui est le plus proche de la réalité, paf, il a gagné. C'est con que ce soit des boîtes virtuelles, on aurait pu faire des boîtes dédicacées par l'équipe POFR, ça aurait été magnifique. Demande à Chris d'envoyer des t-shirts, on fera des t-shirts dédicacés. Ah, fais chier. Dommage, hein. T-shirt chez GG, c'est prestige, hein, c'est vrai. J'ai bien aimé leur t-shirt qui ressort. On met la crise demain pour lui dire, gros IRL, ça va être le feu, bisous. Ah, il y aurait eu moyen, mais il aurait fallu s'y prendre largement avant. Déjà que là, honnêtement, ça me fait un peu pas halluciner, mais je suis super content qu'il y ait autant de gens qui aient pu s'arranger pour venir. Alors que c'est parti limite d'une. Enfin, pas d'une blague, mais. Juste d'un truc. Eh, ce serait cool de faire ça! Je le prévois depuis longtemps. Je sais pas, on en a parlé quand pour la première fois, c'était pas si vieux aussi. Merde. Voilà, ok, donc moi j'étais pas invité en fait, t'avais déjà invité plein de gens, et puis finalement il restait des places, alors tu m'avais demandé. Ok, merci. Tant que j'ai pas science de où j'ai habité, c'était compliqué. Putain, il me fait chier ce truc. Non, de s'organiser, mais après c'est le merdier quoi. Après c'est les gens qui font n'importe quoi, c'est pas de ma faute. Hein. Bah chier, clavier de merde. Je sais pas si le clavier est pour quelque chose. Mais là par exemple, là pour samedi, bah, c'est pas de ma faute si les gens finalement ils sont plus dispo le samedi que le dimanche pour JDR. Et vu comme ils vont s'en prendre plein les miches, je pense que c'est mieux qu'ils soient un joueur de plus. Et je dis ça pour que Gazouille commence à flipper.
Enfin, quand je dis ça, son perso, à chaque fois, il passe à travers les balles discrètement. Il a pas trop ramassé durant la campagne, Gazou. Là. Même quand il était un peu l'initiateur des fights. Si, bah, il y a juste quelques mois, je pouvais vraiment pas dire. Ouais, non, mais c'est clair, quoi. Même pas peur. Mais. C'est vrai. C'est vrai que vous avez quand même bien blindé, ouais, les. Pour pouvoir lancer des jets de sauvegarde et tout ça, quoi. En même temps, il vaut mieux parce que ça meurt vite finalement. Ouais. Sans ça, les persos durent quand même pas bien longtemps, quoi. Terrible. Mais c'est pas possible de pas réussir à viser comme ça. C'est le côté DPS, ouais, c'est ça. Bah, DPS c'est bien, mais pas mourir c'est bien aussi en fait. C'est vrai que quand tu meurs, quand t'es mort, tu DPS vachement moins quoi. D'ailleurs, j'ai vu que sur le forum il y en a qui se plaignaient un petit peu de. Enfin, pas qui se plaignaient, mais qui. Sur le forum Black Book, j'ai vu des gens qui trouvaient ça vraiment violent comme un. Il disait, il y a moins de 8 sur one shot quand même. Ah, de toute façon, on peut tricher, hein. C'est pour ça qu'il y a un écran au MJ. Le fameux écran de la gruge. Hein. Bon, ça marche dans les deux sens. Hein. Tu peux gruger. Et honnêtement, je gruge plus souvent pour sauver les PJ que pour. Que pour en mettre plein la tronche, quoi. Alors attends, le lien c'est quoi ça? What you will see on the Exalcon. D'accord, donc la moitié qui sera streamée. Ah bah on aura. D'accord, on aura. Ouais. Oui, c'est vrai que finalement on l'a pas encore le Shadal de l'Exalcon. Si tu as un cœur, la tannerie, culasse qui ne prend tes chaînes, là. D'accord, donc ils annoncent bien la 4.0 en intro. Ouais, bon. Bon, j'avoue que le côté, les streamers, machin, qui vont dire ce qui va se passer, et après on réinvite les streamers pour voir s'ils sont gourés ou pas, oh, ça m'excite pas trop quand même. Ah, il y aura une démo de la 4.0? Ouais, honnêtement, s'il y a un gameplay, enfin, s'il y a une démo de la 4.0, j'ai envie de pencher sur le nouveau moteur graphique, quoi. Jeux vidéo, si les gens trouvent ça trop dur, ils ont casse d'être. Oui, mais clairement, quoi. Ah non, mais c'est ça, moi, ça me fait toujours halluciner, moi, les gens qui sont bloqués sur les règles, et du coup, ça va pas, quoi. Mais faites ce que vous voulez. Si t'as envie qu'il ait plus de points de vie, le père et le mec, bah mets-lui plus de points de vie. Et si t'as envie que. Si t'as envie que, je sais pas, qu'il y ait une relance en plus, mais une relance en plus, et ainsi de suite, quoi. Y a pas. Alors, the game is over, il a signé Deep Dive into 3-9, ok.
Ouais, donc du coup, donc il y a, bon, il y a toute une partie pré-live, après une partie on discute avec les mecs, on s'en tape. Après, présentation de la 4.0, c'est cool. Il y a discuter avec les mecs, donc on s'en tape. Après, par contre, il y a 3.9. Des skills, support gem, unique item, nanana. Ah, mais après, ils vont reparler de la 4.0. Et puis 2 heures de plus de stream encore. Ok. Ok. C'est ça, plus en détail après, ouais. Non, mais restez. Tous les trucs intéressants, on les met à la fin. Streamer Osaf, le dev écouté à côté, par contre, pas intéressant, ouais. Non, mais c'est nickel comme ça. Et du coup, nous, on peut lancer le stream. On regarde vite fait le pré-show. On picole pendant les streamers. On regarde à nouveau pour la 4.0. On picole pendant que le streamer il dit s'ils sont gourés ou pas. Enfin, tout va bien, quoi. Pas besoin de dormir dans le salon, il y a une porte en plus avant le couloir. Je m'en fous, je vois pas de qui tu parles. Ah non, mais c'est bien, il vise personne. Mais ouais, mais la démo de la 4.0, j'aurais quand même bien tendance à dire nouveau moteur graphique, quoi. Parce que le truc, c'est si c'est du contenu en plus, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en démo? Enfin, tu vois, c'est pas. Pour le manquer à faire des légendaires, je roule sur le jeu qui commence en 4 violets. Ah, même dans la difficulté vraiment avancée, ça. Un peu roguelike. Oui. Le labyrinthe. Tu dis le truc qui existait déjà? Je suis en train de penser, on aurait pu faire le livre dont vous êtes le héros PE en live, hein, avec le chat. Mais il sera pas encore sorti, c'est dommage. Ok, elle était pas là la route. Bon, bah j'arrive pas à cette map là. Ouais, ils vont sortir ça, ouais, avec les packs avancés du prochain des prochains supporter pack, il y aura un livre dont vous êtes les héros PE. Patch mobile est la con, c'est un lance-patate qui est censé surchauffer finir par là, mais quand mon clone il sent ça. D'accord. Ah oui, c'est. Oui. Ouais, ce sera sûrement patché en effet. C'est le nouveau endgame, ouais. Putain, j'ai touché le mur. Ah, j'arrive pas. Hein.
Ouais, le mot de passe Twitter, il est aussi, je sais pas. En... Ah, peut-être qu'il y pensera à le prendre. Après, ce qui est moche, c'est que moi j'ai pas de smartphone, je pourrais même pas tweeter pendant le week-end, genre pour dire qu'on est live, tout ça, faire un peu de pub. Tant pis. Ouais, tu me diras, je pourrais toujours tirer le téléphone à quelqu'un pour le faire. Non, non, non. Oh la tristesse, j'y étais. J'y étais, j'y étais. Oui, ouais, je le ferai. Histoire de mettre ça, mettre un petit tweet, me mettre en host de POFR, et voilà. C'est les hosts, je sais pas combien de temps ça dure. Quand tu mets la commande, je crois qu'au bout d'un moment, il saute quand même. Après, tu me diras, j'ai plus de chance de ramener du monde avec Twitter qu'avec le host. Mais... 3 heures, d'accord. C'est quand je le fais avant de partir au sport, ça marche. Mais clairement, là... Ça sera trop tard. Allez, là, je la sens bien, là. Non. Ah, j'ai un petit rebond merdique là sur le bois. Et là, je sautais n'importe comment. Putain, chier. C'est vrai qu'au pire, je pourrais activer le auto-host pour le week-end, c'est vrai que c'est pas faux. Ça marcherait très bien en effet. Ouais, je pense que je ferais ça, ce sera mieux. Ce sera plus simple, en plus si je me connecte, s'il faut que j'aille mettre le host, ça va me balancer un mail, du coup il va falloir que j'aille dans mes boîtes mail pour aller valider le truc. Quoique non, ça m'envoie sur mon téléphone, mais ouais. Et du coup, je mettrai en auto-host. Au pire, j'irai tout le monde de l'auto-host sauf à POFR. Et du coup, je tirerai un téléphone ou le PC pour juste mettre un message. J'étais bien. Comme c'est relou. D'ailleurs, on rigole avec le mot de passe Twitter, hein, mais j'espère que t'auras les logs pour Twitch. Hein. Ah, je suis blasé quoi, sans déconner là, j'ai... Un peu la pire personne sur Discord, ça. D'accord. Ah, le rebond merdique là. Ouais, je sais pas du tout pour la durée, genre.
Non, mais après, je pense que le plus simple, c'est effectivement que je me mette en auto-host, et comme ça, au moins, quand ça se lance, et puis voilà, quoi. Après, c'est pareil, toi, si je me mets en host, je sais pas si, si on lance plusieurs fois, si à chaque fois ça host ou pas, quoi. Ou ça le fait qu'une seule fois, et après, ça marche pas, enfin... Oui, bon, je passe pas sur les chaînes des gens où il y a personne, mais bon, on sait jamais. Hein. Après, ça s'affiche un peu, ça s'affiche sur. Après, c'est pareil, moi je vais jamais non plus. Enfin, je crois qu'effectivement, je vais. Ah merde. Je vais jamais sur les chaînes hébergées par les gens que je suis en fait, quoi. En gros, je pars toujours du principe que, bah. Si je suis pas la chaîne avec le mec qui l'host, c'est que j'aime pas ou... Putain, j'ai encore raté. Forme blazing. Tout cas, voilà, tu sais que blazing c'est quelqu'un de confiance, il file pas les logs à n'importe qui. Putain, mais je tape le pont maintenant, quoi. Quelle tristesse. Putain, c'est... Ouais, elle est... Pas évident de se lancer. Ah là, je suis bien là. Bon bah là beaucoup moins parce que j'ai pris n'importe comment le grillage. Mais ça peut encore le faire. Hein. Allez champion. On y croit. Oh! Et bah voilà. Facile. T'es où là? Putain, j'ai été à quelle heure? Il est quelle heure, minuit et quart? Ouais, je vais pas tarder à arrêter, je pense quand même. Oh, un petit transfert! Ouais, ça fait plaisir. Et ben là, un bécal. On va pouvoir terminer par une map transfert.
Mais il fallait aller tout droit. Mais il y a double transfert. Voilà. Le kiff. Le kiff, le kiff. César, attends, m'a fait exactement. J'avoue qu'il y a des transferts et des blocs en plein milieu de la route. César Hathor qui était aux commandes. Oh putain, mais encore! Ah, il fallait aller à gauche. Un rush qui donne moins de 15. Non, je pense pas, tu vois, ça a l'air d'aller là. Elle saurait plus si le temps était serré, mais là, a priori, la médaille d'or, elle est. Elle est plutôt cool. Ah, puis toi, j'ai déjà eu mon rush kit hier soir et tout, hein. C'est vrai qu'hier j'ai quand même vraiment cuiné quoi. Mais c'était mérité. Ouais, hier soir. Hier soir j'ai streamé. Oh, sérieusement? Dommage. Ah ouais. J'ai streamé Valfaris et ouais, non, il y a eu des moments où j'ai cuit. Ouais, Speed Rhythm, très bien, hein, pas de soucis, mais Valfaris. Et même en H en plus à rythme, c'est la merde en anglais. C'est RHYTHM. Notamment un boss, ouais. Oh, mais un boss, des ennemis à la con. Le jeu complet en fait. Et le pire, c'est comme je le dis, en plus, le jeu il est vraiment bien, y a pas de souci, hein, mais. Mais c'est juste que là, j'étais pas dans l'état d'esprit pour faire ce genre de jeu, quoi. Et tu fais le jeu là quand t'es quand t'es zen, que t'as le temps. Que... Oh là là, enfoiré. Mais c'est vrai que non, là, honnêtement, ouais, j'ai tellement pas la motive pour refaire encore et encore les mêmes sections. Et puis ouais, clairement, j'aime de moins en moins refaire les trucs encore et encore. C'est quand ça passe pas au bout de 2-3 fois, maintenant ça m'agace. Putain, le dernier transfert il est tendu en fait, il est vraiment grand. Mais franchement, pour les gens qui aiment bien les plateformers énervés, qui cherchent du défi, ça le fait, y a pas de souci. Oula. C'est ça devenir vieux, mais clairement, mais je me le dis hein, des fois. Après, je pense c'est même pas. Enfin, bon, c'est déjà le fait de devenir vieux et c'est aussi le fait de changer de jeu chaque jour en fait. En gros, enfin là, si je jouais beaucoup hein, au même jeu. Ça allait très bien, quoi.
Mais vu que je change souvent de jeu, bah du coup j'ai pas le temps de. J'ai pas trop de temps, quoi. Pas le temps, mon esprit vise ailleurs, tout ça, quoi. Pas préférence de vieux, quoi. Ok, j'ai rien dit pour tout à l'heure, là, le quart d'heure rush kit, parce que finalement, le troisième transfert, il est tendu. Mais oui, mais étonnamment, tu vois, j'arrive à refaire. J'arrive à tryhard sur Trackmania, sauf les maps Zerator. Les maps Zerator, la dernière fois, on a queené aussi. Tant que la map elle est bien faite et tout, ça me dérange pas, quoi. Si par contre la map c'est de la merde, oh non. Si la map c'est de la merde, elle est là juste pour t'embêter, bon voilà, c'est différent, quoi. Sur Roi? C'est quoi Roi? Oui, mais c'est ça, parce que les maps Zerator, elles sont vraiment pas plaisantes à faire, quoi. Parce qu'elles sont. Tu passes ton temps à rebondir n'importe comment, à croiser les doigts pour que telle section se passe bien, alors que ça fait 15 fois que tu la prends de la même façon. Ah ouais. Exact, ouais, tu m'en avais parlé en plus. Bah celui-là par exemple, je jouerais pas. À chaque fois qu'on parle des jeux comme ça, je me demande ce qu'il est devenu, Yang. Ce qui est devenu. Le monde s'y va bien, quoi. Bon, je pense qu'il est pas mort, mais. J'ai une gavie, 15 ans après la session, j'ai pas relancé. Eh bien. T'as la médaille d'or qui fait le cacou en plus à faire des 3-6 en l'heure là pour les transferts. J'ai une 28 d'avance, mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de foirer ce transfert là. Oh! Oh là là! Oh, c'est la consécration! Alors, est-ce que je suis joueur et je suis une on est joueur. Bon, on est joueur, on va voir comment ça se passe, mais. C'est ça, la multilap. Je vais voir là, si elle est. Si elle est jouable sans trop galérer, je la fais. Merde, fallait que j'aille tout le roi, je pense. Ouais, c'est ça. Oh merde. Attends, faut le prendre comment celui-là. Tac tac tac. Hop. D'accord, ok. Pas évidente.
Ah merde, il y avait un... Ah mais d'accord, il y a un skip tout droit. Je me sens arnaqué là avec... Donc là le début il le fait vraiment super mal hein, parce que sans optimiser là je suis déjà à 60 d'avance là. F06, donc là faut monter un peu, hop, autre main. Et là faut aller là, ouais, ok. Ah par contre faut aller super vite en fait, faut pas. Il y a un skip mais par contre faut vraiment pas le rater en fait. Enfin faut pas. C'est pas qu'il faut pas le rater, faut pas. Enfin, faut bien le prendre quoi, sinon t'as pas assez de vitesse. Ouais, en fait, c'est assez large quoi. Direct à la ligne des départs, t'es sympa. Bah tu fais ça 3 fois, t'as gagné. En fait, ça va, je m'attendais vraiment à bien pire au début quand. Oh putain! Oh c'est nul! Oh que c'est nul! Ah bah, peut-être que du coup, je vais pouvoir leur faire un. Non, c'est bon. Ça devrait aller, je pense. Ouais, ça. Bon, en fait, finalement, ça, c'était large. Hein. Allez, impeccable. Bon bah du coup c'est cool, j'aurais fait toutes les A, toutes les B, la moitié des C, bon bah pas si mal, hein. Pas si mal. Hein. Donc voilà, c'est Title Pack TM1 Alpine, donc qui reprend le premier environnement de Trackman original. Et franchement c'est bien cool, hein. Ils ont fait un boulot super propre. Hein. Et après j'ai hâte de voir bah, ce qu'ils vont ajouter, donc comme je disais, ils ont annoncé une grosse mise à jour pour leurs deux Title Pack. Donc avec une nouvelle campagne, avec... Alors je pense que par la suite, hein, de toute façon, ils l'ont mis, hein, que du coup, il y aura des... Voilà, il y aura une campagne stand, une campagne plateforme. Donc ça peut être vraiment sympa, quoi. Sachant que plateforme, c'est une sorte de trial, quoi, on va dire. Donc à voir, quoi. À voir, mais... Ils vont te faire des trucs vraiment, vraiment rigolos. Avant le premier tour, même pas le temps de venir. Une fois c'était vraiment là, ouais, clairement là. Et ouais, il y a des blocs stylés, il y a un nom, puis c'est un environnement que j'aime vraiment beaucoup hein, à l'époque. Hein, ce près Trackmania, c'est un que j'ai vraiment, vraiment aimé. Il y a moyen de faire des trucs super rigolos avec les grillages, avec plein de virages, des tunnels et tout. C'est bien sympa. Bon, du coup, des bisous tout le monde, passez une bonne nuit. Demain soir, donc, sera du Cryptarch dans The Last Run. Jeudi, Skybolt Zack. Et vendredi, du coup, plein de jeux offerts par Tassa. Voilà. Allez, à demain.